Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Maintenant, je suis intéressé par ce deuxième cours qui m'est cher, c'est-à-dire la géopolitique. Cette géopolitique qui, tous les jours, change et nous apporte des éléments qui nous amènent à réfléchir sur ce monde qui nous entoure. Le premier thème, ça sera un thème sur le fameux Caucase. Le fameux Caucase où il y a eu, vous savez, cette guerre entre Azerbaïdjan et Arménie et qui a redistribué les cartes en faveur de la Russie, peut-être pas trop, mais plutôt de la Turquie. Le deuxième thème, ça sera cette Chine qui n'arrête pas de nous occuper, mais pas la Chine en elle-même, mais la Chine, son rôle international et cette implication qu'elle a dans pas mal d'aspects et dans pas mal de pays. Aujourd'hui, elle est incontournable. Le troisième thème, ça sera les relations Union européenne-Royaume-Uni post-Brexit. Ça n'a pas l'air si simple que ça, ça paraissait réglé. Eh bien non, il y a pas mal de points qui sont des points de débat et peut-être, j'irais de tension, sans parler bien sûr la question d'AstraZeneca. Quatrième thème, ça sera le Liban. Ce Liban avec cette explosion exceptionnelle qu'il y a eu au port de Beyrouth, mais qui est au cœur de la question du Moyen-Orient, qui a l'air aujourd'hui de reprendre un peu de vigueur, malheureusement, avec les affrontements qui viennent d'être vécus en Israël. Le cinquième, ça sera un thème plus large sur l'Afrique. Le continent de tous les possibles, c'est vrai, c'est l'Afrique qui est énorme, qui est le continent qui va devenir le continent dynamique de la démographie mondiale, quel possible. Et le dernier thème, ça sera bien évidemment un retour sur un an après l'arrivée de Joe Biden aux États-Unis. Tient-il ses promesses ou est-il décevant? Bref, quelles sont les relations de ces États-Unis avec le reste du monde et surtout avec nous, ces vieux alliés européens. Merci et j'espère vous revoir aussi nombreux et pouvoir discuter à la fin, ce que nous n'avons pas pu faire cette année.